Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, dans un esprit de réconciliation, nous reconnaissons que le CSF et ses écoles se trouvent sur les territoires traditionnels des premiers peuples de la Colombie-Britannique. En novembre, plusieurs événements marquants se sont déroulés au sein de nos communautés. Alors que la situation évolue toujours dans plusieurs régions de la province, nous continuons de soutenir nos communautés affectées par les terribles inondations survenues ce mois-ci. Que ce soit les membres de notre personnel ou nos élèves et leurs familles, je tiens à souligner la résilience dont ils font part pour traverser ces moments difficiles. Le mois de novembre a aussi été marqué par le début de 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le genre dans nos écoles. À cette occasion, trois journées importantes, dont le 25 novembre, le 6 et le 10 décembre, sont soulignées dans nos écoles pour permettre à notre communauté de s'unir afin de réfléchir et d'agir envers les droits des personnes et contre la violence faite aux femmes dans la société. Si vous souhaitez en apprendre davantage à ce sujet, je vous invite à consulter le nouvel article sur notre site dédié à la bienveillance, dont le lien est accessible dans la description de cette vidéo. Pour terminer, nous tenons à vous rappeler qu'il est important de continuer à suivre les recommandations et les mesures sanitaires de la province et d'autres autorités de la santé régionale en tout temps. Alors que nous continuons à faire face aux risques que représente la COVID-19 dans nos communautés, nous ne pouvons nous permettre de relâcher nos efforts dans la lutte contre la propagation du virus. La santé, la sécurité et le bien-être des élèves et des membres du personnel demeurent la principale priorité du CSF. En attendant les nombreux événements et célébrations de fin d'année dans nos écoles, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Merci à toutes et à tous de votre écoute et du rôle que vous occupez chacune et chacun au sein de notre belle communauté. À bientôt.